ils ont pensé à moi, que ça pouvait m'aider dans ma scolarité. Dès le début en fait, du confinement, on a été en lien étroit avec les chefs d'établissement, les principaux des collèges de Gironde, et beaucoup nous ont signifié qu'il était difficile pour des familles et des enfants d'avoir cet enseignement à distance. Ils ne disposaient pas d'ordinateur, ils ne disposaient pas de connexion Internet. Je vais ouvrir l'ordinateur, je vais l'allumer. Et on branche à la clé 4G, le bout du câble. Il faut appuyer longtemps pour l'allumer. Je regarde sur mon cahier de texte en ligne, sur le site du collège, et il y a tous mes devoirs dessus. Si j'ai une heure de cours ou si j'ai des devoirs, ben je les fais. Il faut cliquer sur le lien et ça nous envoie sur une page où il y a le cours avec les professeurs et les élèves. Et on peut parler avec les professeurs. J'étais rassurée, je me suis dit qu'elle n'allait pas être en retard. Elle avait plus de chances d'avoir son brevet, de continuer ses cours en continu. C'était un point en moins. On a travaillé avec une association qui s'appelle Aptique, qui travaille contre la fracture numérique, pour aussi mettre à disposition quelques clés 4G pour les familles qui avaient la double peine d'avoir un problème d'ordinateur et un problème de connexion Internet. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative et j'espère que ça pourra aider d'autres jeunes, d'autres élèves vraiment à pouvoir en bénéficier.